Aujourd'hui, je présente deux trépieds portatifs Gorillapod. J'ai le Gorillapod original et le Gorillapod hybride. La version originale peut supporter 325 grammes. Pour ma part, je l'utilise avec ma GoPro. La version hybride peut supporter 1 kg. C'est celle que j'utilise pour ma G7X Mark II que j'utilise présentement pour filmer. Les deux modèles sont très légers et extrêmement flexibles. On peut les fixer à peu près n'importe où. On peut le fixer ici. Ou ici. Ou ici. Ou ici. Bref, je pense qu'on connaît le principe. Donc chacun un dispositif quick release. On a le quick release avec le petit bouton ici. La version hybride a aussi un petit niveau avec la petite tête rotative ici qu'on peut bouger. Pour la version originale, la même chose. Il y a un quick release ici. Avec un petit signe, un petit cadenas, quand tu le tournes, tu peux après s'enlever. Le seul point négatif pour l'instant, c'est que les jonctions ont tendance à faiblir. J'ai même dû coller avec de la colle celle du haut sur la version originale parce qu'elle n'arrêtait pas de tomber. Les Gorillapods sont très populaires pour les vlogueurs, pour les randonnées, pour tout ce qui nécessite de la portabilité. Moi, j'utilise à peu près dans n'importe quelle situation. Je vais mettre un lien dans la description si vous voulez vous procurer un de ces deux Gorillapods. Je vais aussi mettre le lien pour les autres modèles. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, faites un j'aime, abonnez-vous, commentez. On se voit la semaine prochaine.